Qu'est-ce qui empêche Prince Aimé d'avoir aussi une femme dont l'aveugle n'a pas de femme? Il y a des aveugles milliardaires. Mais oui. Donc, amener Prince Aimé pour qu'il reçoive quelques conseils de papa Tala André Marie. Prince Oran, viens s'il te plaît, papa, viens. Tu dis que tu as 75 ans, que tu attends le train. Tu attends le train pour aller où? Tu n'as pas encore mangé. Tu vas pas où? Le train là ne doit pas venir comme ça. Viens. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes à la Charisma et la Charisma est une plateforme culturelle. Je vais donner l'occasion à papa Prince Oran Kebo qui a tenu ma main pour la première fois pour m'amener dans un studio de vous faire un témoignage. Pour que vous soyez éclairés, parce qu'aujourd'hui les gens disent n'importe quoi parce qu'ils veulent manger. Les gens sont entrés dans la guerre en Congo. Mais je voudrais que Prince Oran Kwe, qui est un patriarche de la musique camerounaise, vous dise un mot sur Prince Aimé, parce qu'il connaît mes débuts. Papa Prince. Bonjour à tous. Oui, Prince Aimé, c'est mon enfant. En 1999, on était sur la rue, nous deux. On souffrait, les enfants de la misère. C'est moi qui ai arrêté sa main pour aller en studio. On nous a produit. J'ai marché presque 4 ans dans les bois de nuit. C'est moi qui ai arrêté sa main. Pourquoi on ne connaissait pas la musique pour lui donner l'argent. Ce n'était pas pour l'argent qu'on chantait. C'était pour la paix du pays. Ce n'était pas pour l'argent. Prince Aimé n'a pas joué la musique parce qu'il voulait l'argent. Il pleurait encore, il pleurait à tout. Affaire remix Prince Aimé. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Cameroun? C'est quoi? Déjà, un instant de silence pour nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans le double éboulement de terrain du côté de Tchang. Et merci pour le passage du président Maurice Kamto qui fait preuve une fois de plus de bonne foi. Merci papa pour cette mission que le peuple camerounais t'a confiée. Merci. Donc mes chers frères et sœurs, remix de Prince Aimé. Quelqu'un m'a dit il y a de cela plus de 20 ans en Libye que mon jeune frère, tu n'auras jamais un problème avec l'homme camerounais. Si tu ne cherches pas à l'aider et tu le laisses là, dans sa position, malgré ses problèmes, tu n'auras jamais de problème. Mais tu auras des problèmes avec lui. Si tu cherches à l'aider et si tu l'aides, ce n'est pas lui qui te déçoit. Ce sont ses propres frères qui vont te décevoir, qui vont te pousser à abandonner. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Ah oui, Wise Day est dans un cadre professionnel. Wise Day est dans un cadre professionnel. Il n'est pas le frère biologique de Prince Aimé. Il est dans le business gagnant-gagnant. C'est clair. Il est là pour offrir ses services. Et ce n'est pas gratuit. Vous ne pouvez pas imposer le genre de don que quelqu'un est en train de donner. Parce que ce dernier Prince Aimé là, il était là depuis là. Il poirotait. Même le vélo il n'avait pas. Même la moto il n'avait pas. Quelqu'un décide que si l'artiste atteint la barre de 4 millions de vues, il offre une tata. L'essentiel c'est qu'il l'offre. C'est déjà bon. Mais sachant que personne ne doit l'imposer. C'est clair. C'est un cadeau. C'est un don. Qu'est-ce qu'il va parler à l'homme camerounais? Votre souhait c'est que il doit abandonner et que ça va passer que par vous. C'est ça le problème avec vous. Et regardez la majorité qui se plaint, c'est les francophones. L'esprit de malhonnêteté. Why they anglophones? Les anglophones sont honnêtes. Arrêtez ça. Il a dit, il a fait en moins d'un mois. Celui qui s'inquiète de la situation de l'artiste au Cameroun, on se bat ensemble comme un seul homme. Enfin que les sociétés de droits d'auteur qui sont déjà là puissent être libres de faire leur boulot et que l'artiste puisse bien vivre de son art. C'est simple comme bonjour. Arrêtez de déranger les gens. Mais c'est clair. Ce n'est pas à lui de venir construire la vie de Prince Aimé. Non, 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 non. S'il le fait, c'est dans le cadre professionnel. Maintenant, vous là, vous aimez Prince Aimé, non? Depuis qu'il a commencé là, vous l'avez déjà amené auprès de la légende Papa Tala André Marie. Le succès, c'est bien. Le talent, c'est bon. Mais, si tu n'es pas bien entouré, tu vas toujours recommencer. Qu'est-ce qui empêche Prince Aimé d'avoir aussi une femme dont l'aveugle n'a pas de femme? Il y a des aveugles milliardaires. Mais oui! Amener Prince Aimé pour qu'il reçoive quelques conseils de papa Tala André Marie. Comment a-t-il fait? Quel est son secret pour rester au top depuis des années? C'est de ça qu'il s'agit. Mais en tout ce qu'on a en train de parler là, c'est bien.
Mais ça ne viendra pas forcément du manager. Ils sont dans le business, ce qu'on appelle le show business. Show business. Show business. C'est parce qu'il veut trop faire. Nous sommes nombreux là. Chacun gagne son argent. Tu gagnes ton argent, ton ami. Ton ami, lui, va en bois de nuit, gaspille son argent. Et c'est le jour où son argent finit. Toi, tu prends ta part, tu lui donnes. Mais non. Prince Aimé doit être entouré. Bien. On doit veiller à ce qu'il touche. Qu'il en fasse. Bon usage. C'est ça l'essentiel en fait. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? On a dit à des Bordeaux, au moins, viens signer le contrat. Et puis voilà, tu lances ta chanson. Il a tourné, il a tourné. Maintenant, entre nous, artistes camerounais, vous avez pris l'affaire. Mais apprenons à être indulgents. Sachant que c'est un frère qui est devant maintenant. Si vous chassez tout le monde, si vous repoussez tout le monde, mais enfin, l'artiste va rester avec lui. Au moins, celui-là, c'est son domaine. C'est clair. Mais sachant que c'est du business. C'est du business. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des frères et des sœurs camerounais. Mais nous ne sommes pas tous de la même famille. Tous les grands-pères du Cameroun ne sont pas nos grands-parents. Sinon, c'est qu'on ne souffre pas comme ça. Parce qu'on a un grand-père au pouvoir. Mais les Camerounais souffrent. Car il n'en a rien à foutre. Il profite avec ses amis. Donc, s'il vous plaît, restons calmes et concentrés. Ne confondons pas notre cible. Walde doit continuer à vaquer à ses occupations, à vivre. Car avant de rencontrer Prince Aimé, il vivait déjà. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.